Et bonjour à tous. Après 3 semaines sans rando pour cause de canicule, les températures baissent. 30 degrés maxi annoncé. Hier soir, il a plu. Donc là, c'est bien. On a 20 degrés ce matin. Et on se retrouve au bord du lac de Monnieux pour une randonnée de 14 km, 500 de dénivelé à peu près. Au départ du lac de Monnieux, j'ai déjà dit, on va faire la ferme Saint-Hubert et un retour par les gorges de la Nesque. Donc un joli parcours, pas trop difficile, une grosse montée au départ et après le reste, c'est vraiment une balade tranquille, plutôt ombragée, donc impeccable pour ces chaleurs. Allez, très sympa là, le petit lac de Monnieux. Beaucoup de place pour se garer à l'ombre, des tables de pique-nique. Et le déversoir avec la Nesque. Tout à l'heure, on arrivera par le chemin de droite. Ouais, c'est ça. Tendu, des petites tables de pique-nique de partout et de l'autre côté c'est encore plein d'autres tables, une aire de camping-car, on peut se garer en camping-car pour ceux qui voyagent en camping-car, c'est pas négligeable sans payer. Allez, et là, paf, petit chemin, une grimpette de 800 mètres bien costaud pour démarrer. Voilà, je l'ai pas dit, mais on est accompagné de Alain, coucou Alain, de Ada, et de Corinne. Voilà, comme aux trois becs, ça faisait longtemps. Hein. Pour la garrigue, direction la ferme Saint-Hubert. N'hésitez pas à sortir du chemin, s'avancer dans les champs là, pour profiter de la vue. Regardez, c'est pas des animaux. Et le chemin bien ombragé, comme on disait auparavant. Kilomètre 1,8, je suis dans la garrigue, on sait se retourner. Regardez-moi ça, du Valais avec Monnieux. Hop, 1,2 km, on partira pas. Allez, jette un petit coup d'œil au champ. Pénard, lui, avec sa ferme là-bas au bout. Bon là, super bien ombragé, température parfaite, à peine 20 degrés là, l'ombre, nickel. Kilomètre 3,8, fini la montée, à partir de là ça va être plat, descente, notre ami le Ventoux là-bas au fond. À droite les filles, une balise, les cavaliers, direction la ferme Saint-Hubert, 3,5 km. Là on est sur le plateau et après la ferme, on redescendra dans les gorges de la Nesque.
bien en contrebas les gorges de la Nesque, on va descendre, c'est un petit bout de route, on va descendre et longer tout en bas là dans les gorges pour revenir au plan d'eau. Hop, on part sur la ferme Saint-Hubert là-bas, où on était il y a 2 km. Allez, champ de 6 cordes, kilomètre 10. D'un coup, là-bas, il était dans le virage. Avec un superbe mûrier, donc là, c'est plus la saison, mais en juillet, on se régale de mûres. Là, il en reste une. Mais bon. Elle a attendu Alain, elle a dit moi je suis Alain. Là on a de la fraîcheur, c'est joli avec les mousses là, ça change d'ambiance. La forêt. Oula. J'ai freiné sur les cailloux ronds. Oui, ça fait des falaises de pierre à un endroit aussi plus bas. Ça me revient maintenant, c'est sympa. Quasiment le kilomètre 11. Un beau raidard. Pour finir le dénivelé de la sortie. Casse bien les pattes après avoir déroulé. Mais ça va nous mener avec une belle vue sur les gorges de la Nesque de mémoire. Quand on sera sorti de ça. On verra ça. Ça picote là la remontée. Tu crois? Ah oui, voilà, c'est ça. Il me semblait là, hop. Le rocher du Cire. Quoi? Rocher du Cire, le Ventoux. Ah oui. Le rocher du Cire et les gorges au pied là-bas. En face là-haut, le belvédère sur la route de la Nesque pour observer le rocher. C'est dommage, les lavandes ont été coupées. Ah. Dommage, parce que comme on disait là, tout le long, il y a pas mal de champs de lavandes, mais... même depuis le début, mais ça a été coupé, donc on ne les voit pas trop bien. Tu n'aurais pas dit quand on est arrivé Kilomètre 11,8 les Pays. Donc on continue vers Monieux, nous. Mais là, ceux qui veulent rallonger la rando, on peut partir vers la Chapelle, on remonter vers les gorges d'Anès qui est passé par Monieux, ça vous fait 18. Et la note fait 14, ça rajoute du dénivelé aussi. Kilomètre 13. Thank you.
On rentre dans un single, on dirait qu'on a éteint la lumière. Wow, magnifique chaîne. Voilà, et là on est au bord de la Nesque. Alors vous attendez pas à avoir une rivière comme le Toulourinque ou quoi. Hein. Elle est souvent en sec. On aperçoit 2-3 mares de temps en temps et basta, mais elle est à sec. Beau ces rochers aussi. Oh ben la Nesque. Ah, je marche dans la Nesque. Il n'y a pas une goutte d'eau. D'habitude, il y a un peu des mares à grenouilles. Là, elle est sèche, sèche, sèche. Rien. Allez, là, on n'est pas loin de la sortie. Il reste 400 mètres. Sortie sur le lac. Mais là, c'est le frigo entre le rocher. Bon, la rivière sèche, les arbres. Là, il fait beau. Ah, oh, on va voir de l'eau. En restant, oui, il y a toujours un endroit où il y a un peu d'eau, mais on la cherche. Hein. Voilà. On s'était arrêté au même endroit. Ah oui, bah ça, de toute manière, chaque année, c'est au même endroit. La Nesque tumultueuse. Non, elle fait peau de chagrin, ouais. Faut pas venir ici pour voir de l'eau. Superbe là, ce passage avec ces belles falaises là qui tiennent la fraîcheur. Ah, c'est dommage, c'est la fin, il doit rester 100 mètres et on est au lac. Et voilà, on est arrivé au lac. Fini la rando. 14 km, je vais vous dire ça, 14 km 360 et 409 de dénivelé. Ok. Oui, parce que d'ordinaire le lac il déborde quand il y a un peu plus d'eau. C'est le trop plein, mais là le lac il manque 60 cm. Donc très sympa le lac de Monieux, une petite aire de jeu, une petite buvette. Un peu plus loin vous avez un grand parking divisé où les camping-cars sont autorisés. Et bien voilà, rando fini, 14 km 400, 450 je crois de dénivelé. Jolie boucle, plutôt ombragée, hein, donc paysage de garrigue quand même. Mais... Voilà, c'est sympa, avec beaucoup de singles ombragés, des buis, des... voilà, très, très variés. J'espère que la balade vous a plu, je vous dis à bientôt. We'll be right back.